What's up les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Oh shit, j'ai oublié de fermer la trappe. Pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, c'est qu'on va aller dans l'end. Il y a vraiment personne de cause si j'en profite pour aller dans l'end. Je vais me prendre une petite sharpness comme ça, looting. 3, des perles vite fait, j'ai déjà de la gunpowder, j'ai tué des creepers en haut de la barre. J'allais faire justement une autre trappe, mais je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Je vais prendre une potion de speed, je vais me prendre mes potions ici, parce que j'espère pas en avoir besoin les amis, mais on sait jamais ce qui peut arriver, tu sais. C'est les seules potions que j'ai, pour pouvoir avoir d'autres potions, il faut aller chercher de la gunpowder dans le nether, bien entendu, vous aurez compris. Donc, c'est parti les copains, let's go à l'end, FOM, on va aller, c'est quoi les portails, help. Les colonisations du monde, des end portals. Ok, moins 1000, si on fait ça, waypoint, lui il est à la... Ok, attendez, un instant, on va se prendre celui qui est le plus proche, on va prendre... On est en quoi nous? On va prendre celui qui est à... Oh, fuck. On va prendre quoi, moins 1000, moins 1000? On va être à 1000 blocs, si on... on est tous à 1000 blocs anyway. Ok, rip, on va prendre moins 1000... Tu peux genre m'inviter pour asseoir, je mienne, etc. Tu me cliques après, ouais. Moins 1000. Puis je vais faire genre moins 1000, moins 1000. Puis je pense que ça va être le plus proche. Pas sûr, par exemple. Ok. Ali off. Puis ça, c'est juste l'end. Je vais juste faire un test. Voir il est où. Il est à combien de blocs? Oh, il est à 1300 blocs. Bon, c'est pas si pire les amis, vous savez, je vais y aller puis on se retrouve quand j'y suis rendu à tout de suite. Ok, je sais pas si c'est moi les amis, mais sur ce serveur là, j'ai l'impression que l'XP va super vite, genre. Peut-être que c'est moi à cause que je suis YouTuber ou peut-être à cause qu'ils mettent ça sur les VIP, mais Christ que ça va vite, man. Puis aussi, pour les YouTubers, ils devraient mettre des vies, genre donner des vies. Par exemple, si jamais un admin écoute la vidéo, genre par exemple, à chaque fois qu'un YouTuber fait une vidéo, vous devriez lui donner une vie ou quelque chose comme ça. Comme ça, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que quand on meurt, on peut tout de suite recommencer et continuer à jouer parce que attendre 30 minutes, c'est quand même crissement long pour un YouTuber. Enfin, 30 minutes de jeu, on parle... 30 minutes... Non, c'est 30 minutes d'une vraie vie, mais bon... Tu sais, quand t'es en train de faire ton let's play, tu meurs, c'est plat, tu sais, non. Ouais, toujours fatigué, les gars. Je fais tout le temps mes vidéos le soir, si vous avez jamais remarqué. Toujours avant de me coucher. Ou sinon le jour, quand les Français sont là. Mais quand je suis tout seul dans mes vidéos, c'est tout le temps parce que les vidéos sont le soir. Donc là, j'en ai à peu près la moitié d'un stack. Je vais m'en prendre environ... Je pensais que j'avais vu quelqu'un. Je vais en prendre un petit peu encore. Je vais en prendre environ un stack, puis après ça on va y aller parce que regardez, on a quand même pas mal de perles. Comme j'ai dit, je vais continuer à farmer les perles, puis quand je vois les creepers, j'y vois dessus. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me demandent encore ce pack-là, les amis. C'est le pack que je vais utiliser la plupart de la map 3. Celui-là et un autre, le mashup par Dante. So, celui-là c'est le Toxic 32 par Dual, si jamais ça intéresse quelqu'un qui veut l'avoir, ben, vous le savez, vous pouvez lui dire ça. Donc voilà, il n'y a pas personne qui vient nous faire chier à l'aine, ça fait plaisir. Il y a peut-être encore l'île avec les magma crime, je sais pas encore, on va aller voir après là. Pour l'instant on va farmer de l'Underman. Oh, easy nos potes. Non, allez, vont me pêcher maintenant. Non, easy nos potes. Allez, encore un. Ah, oh, shit. Je pensais le nos potes, mais ça a l'air que non. Donc voilà, ils se pendent pas très très rapidement. Hein. Ok, easy. 41, let's go. Là, il devrait avoir un spawner. Je sais pas, il y a sûrement quelqu'un qui l'a enlevé. Oh shit, j'en ai eu fucking là-dessus. Parfait. Je vais essayer de voir pour revenir après. Je vais juste voir un peu autour de l'end. Comme je dis, je sais pas, peut-être qu'il y a... oh, là-bas, c'est peut-être les magma qui riment. Ok, est-ce qu'on peut essayer d'aller là? Et ouais, c'est les spawners magma crime. Je vais en prendre quelques-uns. Puis ça doit être dangereux de rester ici. Je vais en prendre quelques-uns. Puis après ça, je vais me tailler. Donc en espérant qu'on peut en avoir genre 5-6. Ou un peu plus. Puis ce serait parfait. So, on y va pour 10 magma crime. Je repelle là-bas. Puis on retourne là-bas. Ça, c'est vraiment dangereux ça. On va rester un coin ici les amis et je vous retrouve tout de suite après. What's up les gens, je vous reprends, donc on va au FOM maintenant. On a géré tout ça, donc la récolte d'Underman s'est bien déroulée, la récolte de Magma Cream. Ça va qu'on parte.
voilà. Je vais me cacher ici. F-home. Donc voilà. Très dur à spawner les creepers. Un peu déçu. C'est tellement dur de venir dans l'end, les gars. Puis de contrôler l'end quand il y a vraiment beaucoup de gens. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de joueurs dans l'end. Mais bon. Quand même un franc succès, les amis. On a récolté 57 gunpowder. 1, 2, 3, 4, 5 stacks d'Under Pearl, comme j'avais prévu. En fait, un peu moins parce que en fait on a récolté tout ça. Donc à moi, être presque 5 stacks parce que j'en avais déjà 8 sur moi, si vous vous souvenez, au départ de cette aventure. Magnifique. Donc voilà, 15 magma crime. Donc j'avais dit que j'en voulais 10. Donc un franc succès. Et puis voilà. On n'a pas de dons. Donc venez faire des dons si vous être un big sub. Donc voilà, je vais descendre comme ça, comme ça, comme ça, voilà, j'y suis rendu. Donc je vais déposer tout ça dans le coffre qui est celui-ci ici. Donc attendez un petit instant, on va juste changer tout ça. Donc tous les ingrédients potions vont être là, ça, 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 plus toute la glowstone, voilà, comme ça. Ici on pourra mettre les perles en haut, tac 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 et tac, comme ça. Puis nous on va en garder juste à peu près comme ça sur nous, ça sert à rien d'en avoir d'autres. Puis ici on va juste mettre tout ça plus toute la glowstone, voilà. Puis on va bien entendu mettre de la vitre, les amis, parce que la vitre ça sert à faire les bouteilles. Donc voilà, comme ça, comme ça. On va mettre aussi le sucre. On va jeter ça, on va garder ça, on va jeter ça. Et puis on aura nos épées en bas dans le coin. On aura nos pioches ici aussi. Et puis voilà, on a une efficacité touch. Ouh, beau gosse, beau gosse. Je savais pas qu'on avait ça. On va mettre la redstone ici. Puis voilà, on a pas mal tout. Qu'est-ce qu'on a de besoin. On va mettre la solution ici. Puis voilà, avec les verrues qui sont là. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai et tout ce que j'avais besoin de vous montrer aujourd'hui. J'aimerais faire des potions, pas toutes les, ça va être pas tout ça l'épisode, ça c'est à Bordino, ça c'est à Taser, et puis le full cure a été utilisé, je sais pas par qui, mais bon, voilà quoi. Et ici on a mon épée à moi, la Looting 2, mais je pense que je vais la remplacer par celle-là, parce que voilà quoi, voilà. Ça c'est une Sharpness 2 Looting 3, c'est super bon comme épée. So voilà, c'est ça qui est ça, les amis. Je vais reprendre cette épée là vu que j'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. On se reprend un peu plus tard. Oh si, j'ai fait le ménage de la base. Oh, je peux enchanter, je suis 63, mon armure est un peu pétée. On pourrait réparer un peu l'armure. Et puis ensuite what the fuck. C'est 22 niveaux pour réparer un U3. Holy fuck. Really, nigga. Ok. Ok, bon, on va le faire, tu sais. Comme ça, on aura un truc neuf. Full neuf. Voilà, voilà. Et c'est parfait. On va jeter une flèche vu qu'on n'en a pas vraiment besoin. Il faut... Oh, j'ai plus de tarte bientôt. Donc, on va se prendre des steaks. Attends, on va prendre les steaks renommés Rési vu qu'on peut pas les stacker. Voilà, comme ça. Ça fait chier qu'on peut pas les stacker, mais bon, c'est pas grave. On va garder les pumpkins, puis la bouffe ici en détail pour l'instant. So, voilà. Oh, c'est pas le bon coffre. Faut que j'arrête de faire les trucs trop rapidement. Donc, voilà. Il nous reste deux diamants ici, là. So, la trappe qu'on a faite tout à l'heure, les gars, je vais essayer de la refaire. Qu'est-ce que je veux dire par essayer, c'est que je vais la refaire, en fait, mais avec une petite twist. C'est que celle-ci va être plus proche de la base. Normalement, elle va être plus proche ici. So, ça va être... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer les copains. Il y a personne, si on peut aller dehors sans problème, à moins qu'il y ait un cheater qui arrive et qui nous tire. Donc ouais, en gros, ici, je pensais la faire ici parce que c'est plus proche de la base, tandis que là, c'est pas tellement proche. Donc vous comprenez un peu, le principe c'est que là, cette trappe-là, ce serait... Genre, on va quand même l'utiliser, là, hein, je vous dis pas le contraire. C'est une bonne trappe, sauf que si on pouvait la... The fuck? Il y a un nibellule dans ma chambre, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Ok, what the fuck. Donc en gros, ouais, si on pouvait en faire une ici, ce serait quand même vachement cool aussi parce que on serait quand même beaucoup plus proche de la base et ça serait beaucoup plus efficace pour pousser les gens à l'intérieur. Donc le souci ici, par exemple, qu'on va avoir, c'est que regardez, on tombe dans des champs, mais c'est pas très grave parce que regardez, voilà, on bloque ça ici comme ça et ça devrait être parfait normalement parce que en fait cette sortie là je vais vous montrer, on n'a pas tellement de besoin, puis ça va nous faire économiser des portions. Tout ça, je fais ça, les amis, puis quand je suis en bas, je vous montre qu'est-ce que ça donne. À tout de suite. Yep, les copains, je vous reprends. En fait, je viens de réfléchir, ça marchera pas notre idée parce que en fait on n'aura pas d'espace pour créer ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire là, je pense.
Probablement parce que ici, de ce côté-là de la base, on est quand même proche de la bordure. Ou sinon, on peut le faire de ce côté-là. Bref, ça ne dérange pas tellement. Mais c'est sûr qu'on la fera pas où ce qu'on avait prévu de la faire ici. Parce que ça donne pas à un bon endroit. Ça, ici, on va reboucher. Tac, tac. Et puis, on va mettre la terre, genre, ici, comme ça. Parce qu'on s'en fout pour le moment. Donc, la boîte à dons marche. Oui, ok, peut-être elle n'allait pas marcher, je sais pas pourquoi. Mais ça aurait pu. Donc, la trappe, on va la faire, genre, ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ensuite, ici. Comme ça, on pourra PP. Down ici, les gens vont pouvoir... Okay. Ça, c'est une bonne idée. J'aime bien l'idée. Hop là. On va enlever ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Donc, je recroche tout le temps jusqu'en bas. Puis, je vous retrouve rendu en bas tout de suite. What's up, gens d'Internet? Donc, je vous reprends. On s'est repris aujourd'hui pour une petite aventure dans le Nether. Dans l'End. Et là, maintenant, on est dans le Nether. Donc, j'avais besoin de quartz. J'ai déjà un peu tout ce que j'avais besoin. Si je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, c'était une petite aventure End Nether. Et puis, voilà. J'explore un peu le Nether autour ici. Je n'étais jamais venu. Et ça, il y a peut-être des trucs intéressants. Il y a un portail ici. On va le prendre. Tiens. On va voir ce que ça nous amène en espérant que ça nous, on soit pas dans une trappe. Sinon, ce serait vraiment triste. Ok, on est dans une base. Super, génial. On est dans la base de la FF Tutti Frutti. Ils sont beaucoup. On va juste faire un F-home. Et puis on va dégager d'ici, les amis. Ce n'est pas une bonne idée. Allez, salut. Bon, je rigole, je suis revenu à ma base. Je suis pas mort, les amis. Donc, en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, c'est ça. En fait, là, on va prendre la fortune. Vu que j'ai miné à la Silk Touch. Parce que je voulais pas perdre une Silk Touch dans le Nether. Ça va être un peu con de ma part, quand même. Voyons, voyons. Et là, il y a quelqu'un qui a volé ma Silk Touch. Ma fortune. Fortune, please. Merci. Merci. Donc là, on va juste placer tout ça. Puis on va péter les blocs de quartz. J'espère qu'on peut en avoir quand même pas mal. Ce serait cool. Donc voilà, on est parti. Et c'est parti, mon copain, mes copains et mes copines. Pas mal de quartz. Il y en avait besoin, pas beaucoup, mais je vais quand même lui donner, tiens. Je vais lui donner rapidement. Tiens, prends ça. Donc eux il y en avait besoin, moi je m'en fous, je vais le prendre pour les niveaux, vite fait. Ça me fait des niveaux, tout le monde travaille, eux ils font la salle pour les machines à potions. Faudra bien voir pour pas qu'elle soit à l'extérieur des claims, ça serait important de checker ça ici. Je pense qu'on est sur la limite, mais ça devrait être bon. Depuis la dernière saison, on s'était fait par la fac de Zinc. So, depuis ce temps, on check toujours dans tous les serveurs qu'on joue. Maintenant, des fois que avant, je portais pas tellement attention à ça. Mais comme on a vu, c'était un gros facteur dans notre raid, la dernière raid de la Tira, avant qu'on devienne le Québec Squad sur Hérésie, les amis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, même s'il y a beaucoup moins de PVP, parce que, bon, vous savez, les amis, c'est un end of the world, donc il n'y a pas trop de PVP, ces trucs-là, vous savez, vous êtes pas con quoi. Au début d'un end of the world, un start of the world, excusez-moi, il n'y a pas grand-chose, mais après, quand ça devient plus dans le milieu et le end of the world, il y a plein de PVP, etc. Inquiétez-vous pas, les amis, le PVP, etc., ça arrive bientôt. Laissez-moi juste le temps un peu de voir les machines à potions, etc. Puis là on devrait être rock and roll puis faire un KOTH ou deux et tous ces genres de trucs. J'espère que vous allez apprécier. On va aussi faire des traps, plein de trucs comme ça quoi. On va faire moi, mon youtubeur préféré en ce moment, les amis, c'est Lolitz Alex, si vous savez pas. J'aimerais ça faire vraiment comme lui. J'aimerais devenir comme lui, genre pas troll tout le temps, mais genre faire des petits trolls, tu sais, vous voyez ce que je veux dire, troller les gens et tout, et puis en même temps faire du PVP, etc. Donc voilà, à tout de suite. Ouais les gars, juste avant, je vous ai... Pardon, juste avant, au début de la vidéo, j'avais dit que j'allais faire la trappe, en fait. La trappe, je vais attendre Zabordino, parce que, pas que j'arrive pas à la faire, mais c'est un peu plus complexe, vu que, comme vous voyez, la hauteur est pas identique à celle qui est là-bas, donc je me suis un peu perdu en la faisant. J'ai préféré toute la défaire et la... Attendre Zabordino va savoir comment faire tout ça, il est vraiment meilleur que moi en redstone, etc. Mais bon, j'ai quand même changé le coffre ici, en fait. Les coffres dirigent tout dans celui-là, ça faudra checker assez souvent, puis on a des coffres ici pour vider quand on veut. Sur ça, il faudra juste essayer de les réparer, puis on a quand même cette pioche-là aussi qu'il faudrait réparer. Puis on a quand même ça aussi, puis ça, c'est des bonnes épées, ça. On va ramener ça là-bas, puis
puis en espérant que ça marche pour tout le monde. Donc voilà les amis, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Les amis, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec un de vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis comme si vous voulez un autre épisode plus rapidement, les amis, n'oubliez pas que ça prend 100 pouces bleus. Et puis voilà, sur ça les amis, on se retrouve dans 2 jours pour un nouvel épisode sur Rezi. Et puis jusqu'à là, je vous dis à bientôt.